Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ouverture de booster. On va ouvrir une display flamme obsidienne. On aimerait bien quand même tirer ce magnifique drac au feu alternatif qu'on n'a toujours pas tiré. Hein. Donc on n'a pas ni le drac au feu full art ni le drac au feu alternatif. Donc on espère pouvoir les tirer. Donc c'est parti pour l'ouverture. A tout de suite. Et je vais vous faire cette ouverture tout de suite. Voyons voir déjà la petite boîte sans l'abîmer de préférence. Hop, vous voyez, c'est très très beau. Ok, on va compter les boosters. Hop, et hop, c'est parti, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. Bah on a une display buggée avec un paquet de plus. Parfait. Hein. Quand c'est dans ce sens-là, on est très content. Quand c'est dans l'autre sens, souvent c'est l'alternative ou l'ultra qui manque, donc on n'est pas très content. Mais là, un paquet de plus, c'est parfait. Allez, c'est parti, on ouvre la magnifique display buggée. Avec 37 paquets, hop. Alors, petit code pour vous. On va ouvrir comme ça un peu en éventail, hein, parce que on connaît les cartes maintenant. Alors, holo, reverse, commune, peu commune. Hop, je vais mettre les peu communes ici, les communes ici, et comme ça, j'aurai fait le tri pour vous faire vos sets. Si vous avez besoin de cartes qui vous manquent, n'hésitez pas à me demander. Je vais avoir beaucoup de peu communes communes, c'est le moment, parce qu'une fois que c'est parti, et ça part très très vite, ce sera trop tard plus tard. Hop. Tac. Voilà, on ouvre tranquillement, parce qu'on sait déjà comment ça fonctionne et qu'on a déjà plein de cartes. Et du coup, on a déjà vu toutes les illustrations. Et comme on a déjà vu toutes les illustrations, on va taper tout le côté droit et après on fera le côté gauche. Hop, est-ce que je peux mettre la display quelque part par là pour vous montrer comme ceci peut-être? Combien il en reste avec l'avancée? Hop, ça c'est pour vous. Tac. Donc ça on connaît. Commune. Peu commune. Et d'ailleurs, en brocante, il y a un collectionneur qui m'a fait remarquer que les reverses, c'est très très rare d'avoir des reverses rares. Vous voyez d'ailleurs, on a beaucoup de reverses communes, une peu commune, et une reverse rare, on a Cisaiox, qui est à mon avis, et à son avis à lui surtout, hein, parce que moi je m'étais pas rendu compte de ça, mais a priori les reverse rares vont être très difficiles à avoir dans cette collection. Vous avouez que moi j'ai pas encore fait le classeur pour trier toutes les cartes, donc je m'en suis pas rendu compte. Tac, donc je peux pas confirmer, mais d'après ce qu'il dit, ouais, ce sera très difficile de compléter les reverse rares. Ah, et quelque chose. On a déjà, c'est pas grave, une petite V1 premier hit. On commence doucement cette ouverture de display. Tac, un petit fort éclat. Hop, on lui met une petite sleeve, c'est la mèche. En attendant, je récupère les autres sleeves. Est-ce qu'on pourrait pas mettre les hits quelque part? Hop, à la place des. Voilà. Allez, on continue. Là c'est une display, donc on sait qu'on va avoir un ratio de normalement 13-14 hits. Donc voilà, c'est. On se fait pas trop de soucis. Normalement, il y a des hits. C'est pas comme pour les ETB où l'autre jour on a été quand même très déçus. Ah bah tiens, une reverse rare et une reverse commune. Encore une holo. Bon, par contre, comme on a une display buggée, ça peut faire douter. Vu qu'on a un paquet de plus, mais il ne s'agit pas d'avoir un paquet de plus vide. Si on pouvait avoir un paquet de plus avec
Avec un hit de plus, ce serait pas mal. Hop, encore des molos. Une holo. Hop. Un petit code. Et on a la magnifique Noctali. Et ça, c'est un beau hit. Noctali, toujours recherché. Hop, ça c'est un hit un peu particulier. Bon, je vais pousser la display en fait. On s'en fiche. Tac. Deux belles reverses communes, peu communes. Et une holo à nouveau. On a fait à peu près, non, un peu moins d'un quart de la display. On a eu qu'un seul hit pour le moment. Ça fait un peu peur, mais ça veut dire qu'on va tout hit à la fin. Tac. Ouais, je vais quand même continuer normalement parce que. Hop, faut que je trie en commune, peu commune pour vous dans tous les cas. Pour vous faire vos paquets après. Un magnifique Roucoups d'ailleurs, il est sublime ce Roucoups. Et Arboliva en reverse. Untay Holoar. Hop. Une petite énergie et c'est parti. Deux petites reverses communes. Donc ça se confirme un peu ce qu'il nous disait le pote l'autre jour à la brocante. Les reverses rares sont quand même très très rares quoi. Ils font même ultra rares quoi. Alors tac. Hop. Oh bah voilà, on a une alternative et malheureusement c'est celle qu'on avait déjà. Vron Botor qui ne va pas me lâcher. Voilà. Après, elle est plutôt bien cadrée. Plutôt très très belle la carte. Ouais. Sublime. Voilà. Bon, ben voilà, on a la belle alternative. J'espère qu'on en aura une autre. Parce que Vron Botor alternatif. Voilà, voilà, quoi. Tac. De toute façon, là, si j'ai pas... le fameux drac, je pense que je l'achèterai à l'unité, parce que ça coûte le prix d'une display, tout simplement. Et du coup, ça vaut plus le coup d'acheter un drac alternatif qui va coter par la suite, plutôt que d'acheter une display, on n'est pas sûr de le hit. Hop. Voici le gourmelet. Ça, c'est un beau petit hit aussi, mais on l'a déjà. Bon, pour le moment, c'est la display des doubles. Super. On continue. Il arrive qu'il y ait des displays avec trois secrètes plus deux secrètes gold. Donc, ça peut arriver qu'il y ait cinq secrètes dans une display, de ce que j'ai vu, hein. Donc c'est quand même des taux de drop assez monstrueux. Ah, le Absol X que j'ai tiré tout à l'heure dans la voiture. Je vous montrerai, mais j'ai tiré des petits boosters dans la voiture tout à l'heure. Voilà. J'ai tiré l'énergie gold et ce Absol X. Donc que je retire à nouveau. Donc sublime, dommage que ce soit une double, c'est vraiment la display des doubles quoi.
Ça y est, là, on aurait pu tirer le Dracofeu Full Art à la place de ça. Tac, le petit code, c'est pour vous. L'énergie. Hop. Et on est parti. Ouais, ça c'est beau. Alors ça, je suis très très content. La Noctalie Reverse. Oui, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est cool. Ça c'est vraiment vraiment cool. Comment elle est? Bah, elle est vraiment sublime. Ah ouais, ça c'est vraiment super. Tac, donc ça, petite pépite. Noctalie Reverse. Petit code pour vous. Hop, avec un beau reptincelle. Il est magnifique le reptincelle. Hein. Un peu commune. Solarock Reverse. Mélophée Reverse. Et le Démolos X, je crois qu'on n'a pas eu. Donc c'est parfait, ça c'est un beau hit. Il est magnifique le Démolos Reverse. Le Démolos X. Regardez. Sublime. Et du coup, je débite hein, les hits pour vous. Et en même temps, si vous voyez des communes et des peu communes que vous voulez ou que vous voulez que je vous fasse un petit. Un petit paquet de cartes pour votre collection. N'hésitez pas à me demander. Voilà, je peux le faire. Le magnifique Fenar Reverse aussi, qui est une carte emblématique de cette série. Ce serait bien de la hit, la fameuse Fenar alternative de collectionneur. Ah, bah ça me fait plaisir. J'adore voir cette carte. Un beau petit Manzai. Moi, ça me fait très plaisir. Hop, c'est là. Un Draco, Golette, Carmadura. Ah, on a quelque chose. Hop, Poltegeist Reverse, Tilton Reverse, et encore le Tyranocif X. La deuxième fois qu'on le tire, elle est sublime et très très bien cadrée. Elle est sublimement cadrée. Vraiment. Ah bah, pas derrière. Au niveau du haut et du bas, là, on a un souci. Elle est complètement décadrée derrière alors qu'elle est sublime devant. C'est très dommage. En tout cas, c'est une très très belle carte. Hein. Très très content d'avoir ça. Tyranocif X. En Full Art Terra Crystal. C'est sublime. Tac. Petit code pour vous. On continue à débiter les petits paquets. Une belle Mentalie, hop. Comme quoi les Mentalies et les Noctalies, on les tire pas beaucoup quand même. On a deux belles Reverse, une Holo, Caroline, tac, et on continue. Hop, ce magnifique code pour vous. Chamallow, tout tombe. Un Schwartz. Brocélome. Crapustule, jolie flore. Ligue d'énergie Pokémon. On a encore quelque chose. Hop, ça arrive. Dresselian, Malamandre. Et Apirène X. Donc je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Dans les kits d'avant-première. Oui, magnifique, n'empêche, cette carte. Sublime. Hop, on continue. Tac. Pimito, centre commercial, Exagel, Togepi. Oh, non! Je crois que j'ai tout récupéré. Bon. Ils m'ont échappé des mains. Tac. Donc 3 Unco. 4 communes.
C'est ça, j'ai tout récupéré de reverse. Et la holographique qui est là, Kawain. Un petit Manzai reverse, ça fait plaisir quand même. J'adore cette carte, Manzai. Tac. Je trouve qu'elle a une belle tête. Tac. Evoli. Tac, 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 tac. Ah, il y a un bug? Non. Une texture bizarre sur celle-là. Ouais, elle a des enfoncements sur sa carte. Dans la carte, c'est bizarre. Regardez. Il y a vraiment un petit souci au niveau de la texture de cette carte. Bon, c'est pas grave. Hop. Linéon en reverse. Togekiss, un rare reverse. Ça, c'est plutôt cool. Scorvilla. Et l'énergie de base. Hop. On commence l'autre partie de la display. Donc, on est à la moitié. Hop. C'est parti. Donc ça, c'est les communes. Ça, c'est les peu communes. Hop. Olivado, Mistibule, Reverse et Fulguris holographique. Hop. Un petit code pour vous. Une petite énergie plante. Hop. Topicœur, Brindibou, Balbuto, Dauphin. Camerupt. Loclas. Mascadra. Le Démolos Reverse. Ça, ça fait plaisir. Il est magnifique. Le Brindibou et le Togekiss holographique. Allez, on continue à espérer un petit hit, peut-être une petite gold. Hop. Hop. Bon, on a vu que c'était une holo. Pas besoin de se prendre la tête. Tac. Alors, hop, deux petites reverses. Tac, 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 tac. En commune. Tac, tac, tac. En peu commune. Voilà, on continue. J'essaye de faire vite, mais des fois ça spoil un peu. Tiens, le petit code pour vous quand même. L'énergie. Oh. Pyronille. Tropignon. Roucoul. Aragdo. Argust. Infect. Togetic. Scalproi. Commune reverse. Fragoin, peu commune reverse, et le Salarsen holographique. Allez, on continue. Ben, je crois qu'on n'a pas tiré la meilleure display, mais peut-être qu'on va me faire mentir bientôt. Allez, les communes, les peu communes avec Mantali, Charpedo, Linéon, un sécateur reverse. Ouh, c'est cool! Et là, on a un magnifique double hit d'ailleurs. C'est une AR, super dauphin AR. Ça, c'est magnifique. Et peau marmotte. Ça, c'est beau. Touc. C'est parti. Grenousse, Croquine, Brocélome, Pyrax, Tentacruel, Fenard. Reverse de Bello, ça c'est pas mal. Dauphin reverse et Entei holographique, rien du tout. On continue. On a pas mal de hits quand même, ça fait plaisir, malgré que c'est vrai que ce soit pas les plus beaux hits. Hop, bon, je crois qu'il n'y a rien. Tac. Magnifique, Manzai et Salamèche reverse.
à une vingtaine de minutes de la vidéo là d'ouverture, donc voilà, j'essaye de faire assez vite pour pas que ça vous embête, pas que ça dure trop longtemps. Un trio picker, un tombero escavarène, Topika Reverse, Toxizap et Scorvilain holographique. Alors ça, c'est pour vous. Hop. La petite énergie plante. Et c'est parti. Terracool, Malos, Tétampoule, Candine, Limonde, Malamandre, Topico, Tropignon. Non mais oui. Et Kaorin de malheur. Toujours ce Kaorin. Par contre, je pense vraiment que c'est le holo qui sort vraiment le plus, quoi. La Kaorin, je la vois, mais tout le temps. Ou alors, je sais pas, je fais peut-être une fixette dessus. Voilà, votre petit code. Une énergie. Oh. Et c'est parti. Tritonde. Lamperoi. Ombrilex. Goopix. Hop, Solarock. Peu commune. Démolos, peu commune. Grand Boule. Axoloto Reverse, Melancholux Reverse et Togekiss holographique. Hop. Le petit code. Énergie. Hop. On est parti. Carvana, Gourmelet, Kangourex, Barbicha, Mustaflo, Ombrilex Reverse. Oui! Yes! Celle que je voulais. Alors, c'est vraiment celle que je voulais à tout prix. Oh là 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 là. Super. Oui. Enfin. Yes. Oh, elle est sublime en plus. Elle est vraiment bien centrée. Elle est sublime. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle n'a pas les bugs de texture sur les hauteurs. Elle n'a pas les bugs de texture sur les côtés. Oh, elle est vraiment sublime. Là, il y a un petit défaut de coupe. Mais c'est très minime. Elle est vraiment sublime. C'est une carte parfaite. Pouah. Voilà, je l'ai instantanément double sleeve. Ça, c'était sûr qu'il fallait la protéger instantanément double sleeve. Elle est magnifique, cette carte. Pouah, là, là, quelle beauté. Et bah du coup, je vais quand même vous montrer celle que j'ai tirée tout à l'heure. Hop. Ouais, ça fait... ça, je vais juste prendre le temps de trier rapidement. En même temps, hop, ces paquets-là. Mais je sais que j'ai pas tiré grand-chose dans ce que j'ai pris. Hop, je vous montre quand même. Ortiz, c'est sublime. Tac, tac. Hop, ce petit code, c'est pour vous. Ça, ça va aller très très vite. Hein. C'est des paquets que j'ai déjà ouverts tout à l'heure. Hop, dans la voiture, ça vient de display, j'ai tenté ma chance, ça vient soit de jouer club, soit de soit d'une petite boutique à Cormeil, une petite boutique de jeu. Voilà, donc magnifique Absol dont je vous parlais tout à l'heure. Tac, énergie et le petit code, ça vous fera des petits codes en plus hein, pour ceux que ça intéresse. Tac, donc ça, ça fait pas partie des hits de la display par contre, donc je vais les mettre de côté. Hop. Tac, pour pas qu'on fasse un ratio, qu'on modifie le ratio, alors que on va avoir nos stats après. Regardez-moi ce coup, c'est magnifique. Tac, le petit Salamèche reverse, ça, ça. Ça, hop, ça c'est pour vous. Tac. Donc j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai 8 petits paquets comme ça. Non, 9 paquets. 9 paquets. J'ai pris 5 puis 4. Hop, je les trie en même temps, comme ça. Ça évite. De toute façon, je voulais le faire à la fin de la vidéo, mais comme j'ai l'autre goal qui va arriver, je vais pouvoir vous montrer l'autre goal instantanément. Je sais pas, j'aurais peut-être dû finir la display avant. Mais là, honnêtement, c'est sûr que j'ouvre pas d'autres displays derrière ça. Voilà. La fameuse Energy Gold. Hop.
que là, de toute façon, pour une carte qui est le Dracofeu alternatif, vaut mieux acheter directement la carte. Donc là, hop, ça, ça va aller dans mes cartes gold. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Les magnifiques cartes. Oh, elle est sublime, la carte Dracofeu. Et bon, bah l'énergie gold, moi je suis fan des cartes gold anyway, donc je suis très très fan des cartes gold, donc de toute façon, c'était ça me faisait très plaisir de tirer ça. Hop, je continue de trier les petits paquets rapidement. Je sais qu'il n'y a plus grand chose. Je crois qu'il y a un pibidou. Il doit y avoir un pibidou quelque part. En air. Tac, 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 tac. Il y a un Entei Holo Reverse rare plutôt. C'est sublime, celle-là. Hop, la petite, le petit code pour vous. Ça vous fera même plus de codes du coup. Et c'est bien pour vous ça. Pour ceux que ça intéresse. Tac, 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 tac. Et plus de choix de cartes aussi, même si je pense que les communes, peu communes, on les a toutes vues, je pense, dans cette display. Hop, regardez ce petit code pour vous. Et le dernier paquet que j'avais ouvert en voiture. Tac, 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 tac. Commune, peu commune. Zigzaton reverse et en pibidou. Avec la holo qui est ici et ces deux-là. Ah oui, le petit code, ça, c'était pour vous. Tac. Pour l'énergie gold, du coup, je la mets de côté parce qu'elle n'est pas de la display. Hop, ça, je pousse. Et il nous reste exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets dans cette display. De, donc, du coup, de 37 au lieu de 30, 36 boosters. On peut avoir des dingueries encore. Allez, c'est parti. Sublime. Un autre booster. Tac, il en reste 5 avec celui-là. Hop, petit code pour vous, c'est parti. Oh, une magnifique Noctali. Pas facile à trouver la Noctali quand même. Oh, il en manque une. Ah bah non, c'était la Noctali, je suis bête. Et deux reverse et la holographique Entei plus l'énergie. Hop. Alors déjà, je suis content de ma display. Un Dracofeu ex-gold. Moi, j'ai tout gagné là-dessus. C'est exactement ce que je voulais. C'est la carte que je voulais à tout prix de la série. Donc, très très content. Maintenant, ce n'est que du bonus. Tac. Petite énergie. Tac. Hop. Allez, on va les faire tranquillement, les trois derniers. Salamèche. Mini Draco. Misterbe. Dauphin. Argoust. Ils viennent pas facilement les cartes. Infect. Elles accrochent. Togetic. Tout tombe. En reverse. Zigzaton en reverse. Et Fulguris holo. Donc là, on est à 10 hits. Ah. Ça veut dire que les deux prochaines, elles doivent avoir un hit normalement. Pour le strict minimum. Magneton. Tritonde. Aflamanoir. Ponchio, Archéodong, Polagriffe, Reptincelle, Mastouf, Reverse, Aflamanoir Reverse et Melmetal X. Ma sublime, elle est belle. Bon, c'est pas dingue, mais elle est belle. Hop, celle-là, ça j'ai oublié de vous montrer. Tac. Bon, bah sublime, un hit de plus. Bon, j'aurais bien aimé avoir une petite Fenard là. Ou un petit Cisaiox. J'avoue que ces deux petites cartes là, elles me font très envie quand même. Hop, ça, c'est pour vous. L'énergie. Oh. Ponchien. Germ éclat.
Lime, Rocabo, Fenard. C'est pas celle-là qu'on voulait. Voltegeist, Terra Cruel, Snubbull, Reverse, Scalperer, Reverse. Ouh, Alisma! Alisma Full Art. Bon, bah parfait, ça termine très très bien la vidéo, ça. Une magnifique Alisma Full Art. Bon, bah, ça me fait très plaisir. Sublime. Bah vraiment nickel. Nickel, nickel. Parfait. Voilà. Donc si vous souhaitez des lots, n'hésitez pas à me dire des lots de peu communes, des lots de communes. S'il y a des reverse qui vous manquent, vous pouvez me demander un lot de reverse aussi, hein, sans hésitation. Si je peux vous aider, je le ferai. Voilà. Il y en a certaines qui vont rester dans ma collection, forcément, mais... Mais s'il y en a certaines que je peux vous échanger, avec plaisir, grand grand plaisir. Voilà, donc pour le résumé de cette vidéo, donc pour la partie Pokémon, voici ce qu'on en a tiré. Un magnifique Melmetal X, donc dans l'ordre des codes je pense, Foreclat X, Pomarmotte X, un Gourmelet, un Super Dauphin en AR, un Démolos X, une Noctali Reverse. Je pense que la Noctali Reverse, elle cote plus que toutes les ex, là. Elle est super dure à drop. Un Aspiren ex Terra Crystal. Un magnifique Absol ex Full Art. Un Tyranocif ex Full Art Terra Crystal. Ça, c'est dingue aussi. Le Vrombotor alternatif, une nouvelle fois. Un Alisma. Une Alisma, une carte Alisma. Full Art et le Dracaufeu X Gold Sublime qui actuellement se vend aux alentours des 60-65 euros, mais moi qui va aller dans ma belle collection et j'en suis très très fier, très content. Et donc le petit drop à côté, donc un petit Absol, un petit Ampibidou et une petite énergie Gold, donc c'est de belles cartes Gold qui me ravissent. Voilà. Très très belle ouverture, je suis très content de cette ouverture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes aussi content que moi du tirage de cette magnifique display. Voilà, vous pouvez voir à peu près ce qu'on a tiré. C'est quand même assez beau, hein. Faut regarder les belles cartes qu'on a tirées. Tyranocif X, Vrombotor X alternatif et Dracaufeu X Gold. Voilà, très beau tirage, super content de cette display. Voilà, j'ai eu la carte que je voulais à tout prix qui était la Dracaufeu X Gold. La plupart préfèrent l'alternatif. Moi, clairement, l'alternatif me plaît, mais si je ne l'ai pas, c'est pas un drame. Par contre, la Dracaufeu X Gold dans ma collection de cartes Gold, elle a toute sa place et il m'en faut une très très belle à mettre à cet endroit-là dans ma collection. Donc je suis très très satisfait de cette ouverture de display. Merci à tous pour ce soutien et pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Salut !